Ce soir, au Téléjournal, éclosion d'hépatite A dans une école de Surrey, des parents questionnent la propreté de l'établissement. Les bulletins de vote arrivent dans les boîtes aux lettres. Les électeurs de la grande région de Vancouver auront plus de 2 mois pour se prononcer sur le financement du transport public. Et franchir la frontière entre le Canada et les États-Unis deviendra plus facile et surtout plus rapide. Les détails au Téléjournal. À plus tard.